Bon bah voilà. Combien de temps on a mis là? 5 minutes? 10 minutes? Non, c'est 10 minutes, on a 1,5 m3. Pas loin, hein, le sac est plein. Ça vient de loin d'après vous tout ça? Attendez, l'eau vient des Pyrénées là-bas. Hein. Ouais. Alors c'est pareil, hein, 130 km là, vous allez à Valras, il y en a des choses sur la route. Tout ceci vient pas de l'autre forcément. Enfin là on l'a récupéré sur les berges hein, quand même. Ouais, sur les berges, ouais. Mais ça peut provenir à cause du vent, de l'intérieur des terres. Exactement, hein. Oui. Ouais, bien d'accord. Ce qui est léger là, ça vole. Ouais. Il y a pas mal de polystyrène, hein. Vous voyez? Ouais. Énormément de polystyrène. Ouais, c'est vrai. Ça c'est dur, ça. Hein. Après, des bouteilles plastiques, quand même. Il y a quand même un bon bidon de botule là, de l'huile ou du. Je sais pas. Pas donné. Non, mais je veux dire, j'ai mangé des pâtes de coin. Oui. Et après, je les ai mis dans ma poche. Chez moi, j'arrive et je les jette. Hein. Eh ben, je vous montre la preuve. Hein. Bon. Mais justement, est-ce que un des problèmes, ce serait pas de limiter le nombre de petites quantités comme ça? Est-ce que ça vous dérangerait, finalement, de ne plus acheter des petites parts comme ça, mais de l'avoir une grosse part et le matin avant de partir en vélo? Si j'étais dans des cartons, je m'en vais, je coupe des morceaux et voilà. Hein. Ben voilà. Bon. Ouais. Je faisais beaucoup de randonnées à pied, quoi. Bon, ben, c'est sûr que dans la montagne, nous, on est propre, quoi. Je veux dire, on ramène tout. Mais on voit des choses qui sont comme vous. Il y a un état d'esprit des randonneurs, etc., ou de cyclistes, qui fait qu'en général, ils laissent tout propre, quoi. Mais ouais. C'est pas le cas de partout, quoi, ni de tout le monde. Bonne journée. À vous aussi. Bien. Au revoir.